Mes chers camarades, quel plaisir de se retrouver ensemble ici à Malo. Quel plaisir pour moi de vous retrouver ici à Malo, comme on le fait maintenant depuis plus de 10 ans pour ma part. Il faut savoir saisir tous les moments de bonheur, les petits comme les grands. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un grand moment de bonheur que j'entends partager avec vous. Merci, monsieur le maire. Merci, mon cher Patrice, pour ton accueil, pour ta présence indéfectible. Et merci à la ville de Dunkerque de nous permettre d'organiser cette journée de solidarité. Merci à vous toutes, vous tous d'être ici présents, mes collègues parlementaires, Cathy Apourceau, Michel Gréaume, sénatrice, Éric Bocquet, sénateur, et j'en oublie pas, et Michel Delessine, qui a été sénatrice, et mes camarades secrétaires fédéraux, je ne vais pas citer tout le monde, et merci à tous les militantes et militants du Parti communiste français, sans qui cette journée de solidarité ne pourrait pas avoir lieu, compris les inscriptions, pour organiser les bus dans des conditions sanitaires bien difficiles. Merci à vous. La solidarité, c'est bien dans les gènes de notre parti. Et ce n'est quand même pas courant qu'un parti politique organise des journées de solidarité comme nous le faisons aujourd'hui. La solidarité, c'est le cœur même de notre engagement. C'est la vente de fruits et légumes à prix coûtant que nous organisons en Ile-de-France avec les camarades parisiens. C'est la journée à la mer qui s'est tenue il y a quelques jours aussi à Dieppe, organisée par ceux de l'Oise. C'est l'aide aux devoirs et à la préparation du baccalauréat qu'organisent les jeunes du mouvement de la jeunesse communiste. Et puis je pense, bien sûr, à la solidarité que nous organisons tout le temps en direction de tous les peuples. Je pense au peuple haïtien, je pense au peuple palestinien, je pense au peuple cubain avec qui nous sommes. Et bien sûr, je pense aujourd'hui au peuple afghan en particulier. Oui, nous sommes solidaires du peuple afghan qui doit faire face à un régime fasciste, terroriste, dangereux pour eux, dangereux pour le Moyen-Orient, dangereux pour le monde. Toutes les nations du monde doivent aider, accueillir, protéger celles et ceux qui fuient ce pays car leur vie est en danger là-bas. Mais, je voudrais surtout que nous pensions à tous ceux qui restent là-bas, à tous ces jeunes Afghans, à toutes ces jeunes filles qui seraient promises au mariage avec un combattant taliban dès l'âge de 15 ans, à toutes celles et ceux qui veulent rester là-bas et résister là-bas. Que faisons-nous pour les aider, pour les soutenir là-bas? Quels moyens diplomatiques, politiques, économiques mettons-nous en œuvre à l'échelle de la communauté internationale, tous ensemble, pour empêcher ce régime de s'installer en Afghanistan? Oui, ce que nous voulons, nous, c'est de permettre aux Afghans de vivre libres dans leur pays et de décider de leur propre choix. Voilà le combat du Parti communiste français aujourd'hui. Et c'est l'enjeu des semaines et des mois qui vont venir pour nous de créer toutes les conditions de soutenir les forces progressistes afghanes sur place pour faire tomber ce régime comme nous avons fait tomber celui de l'apartheid en Afrique du Sud. Alors disons-le, solidarité avec les Afghans qui luttent dans leur pays. La rentrée des communistes, c'est aussi donc cette journée de solidarité pour défendre le droit aux vacances. Nous avons toujours été du côté des familles, des salariés, des ouvriers, de la jeunesse, de toutes celles et ceux qui aspirent tout simplement à vivre dignement. Oui, nous voulons, nous,
mettre l'être humain au cœur de toutes nos priorités, au cœur de la société française. Nous sommes fiers de cet engagement sincère, honnête, désintéressé. Et c'est cet engagement-là qui manque le plus à la politique aujourd'hui, qui manque le plus à la France. La journée à la mer que nous organisons permet à des milliers de familles de passer un moment de bonheur partagé avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et c'est aussi pour nous l'occasion de dénoncer cette injustice qui est faite pour la moitié des habitants de notre département privés de vacances cet été, principalement pour des raisons financières. Injustice, injustice d'autant plus forte que notre pays est riche, très riche. Vous savez, comme tous les ans, lors de cette journée à la mer, j'aime bien vous donner l'état de santé financière des 500 plus grandes fortunes de notre pays que je fais tous les ans à cette époque grâce au magazine Challenge qui, tous les ans au cœur de l'été, donne ce palmarès. C'est une tradition à laquelle je tiens et ici le rendez-vous est adapté. Mon premier discours que j'ai prononcé là-dessus, je l'ai gardé et il date de 2014. À cette époque, en 2014, les 500 plus grandes fortunes de France totalisaient un patrimoine de 390 milliards d'euros. C'était beaucoup, mais déjà à l'époque, ils se plaignaient de payer trop d'impôts. En 2017, avec l'arrivée du président Macron, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes de France, à son arrivée, était de 570 milliards d'euros. C'était déjà une belle progression. Mais alors là, depuis que ce président s'est installé à l'Élysée, en l'espace de 4 ans, la progression de la richesse de ces 500 plus grandes fortunes, elle est fulgurante. Leur richesse en 4 ans a quasiment doublé pour atteindre 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros pour 500 familles de France. Rien que les 10 premières familles totalisent à elles seules 516 milliards d'euros. C'est plus que le budget de la nation pour répondre aux besoins du pays et de la population. Et parmi ces dix premiers, qui on trouve? On y trouve Bernard Arnault, champion de France, champion du monde, la famille Hermès, la famille Bettencourt, la famille Pinault, Dassault, Drahi, président de BFM. Bref, ceux que l'on trouve parmi les 10 premiers plus riches de notre pays, ce sont les champions du luxe, de l'armement et des médias. Même ça, ça devrait nous interroger collectivement sur l'état de notre société, sur le fait que c'est le luxe, les armes et les médias qui créent de la richesse au lieu de l'industrie, par exemple. Voilà pourquoi, dès 2017, nous avons dit que ce président Macron, c'était le président des riches. Suppression de l'impôt sur la fortune, suppression de la taxe sur les dividendes, mise en place d'un bouclier fiscal pour les plus riches. Bref, je pourrais vous citer toutes ces mesures dont ont bénéficié les familles les plus riches. C'est plus de 40 milliards d'euros par an de cadeaux directs et indirects qui ont été faits aux plus riches, sans parler de l'évasion fiscale qui sévit toujours. J'en profite d'une petite digression pour vous dire que les frères Bocquet, dont Éric qui est là, sortent un nouveau livre avec Alain Bocquet qui sortira le 9 septembre sur l'évasion fiscale et vous y trouverez de nouvelles révélations et surtout beaucoup de propositions. Mais voyez-vous, je reviens sur ces grandes fortunes. N'y a-t-il pas une forme d'indécence de voir autant d'argent s'accumuler dans les mains de quelques-uns, quand la grande majorité des Français voient en même temps leur pouvoir d'achat baisser, quand les salaires, les retraites stagnent, quand elles ne baissent pas, et en même temps de voir que les factures continuent d'augmenter.
Tout ça, c'est ce que nous ont dit les 5000 Français que nous avons rencontrés cet été avec la caravane des jours heureux que nous avons accueillis il y a quelques instants ici devant le Kursaal. D'ailleurs, cette caravane, je vous invite à y aller tout à l'heure sur la plage et j'en profite bien sûr pour remercier les camarades qui l'ont animée et remercier Olivier Marché qui l'a organisée et qui, je suis très fier, va rejoindre l'équipe de campagne à partir du 1er septembre. Et ils ont collecté des centaines, des milliers de cartes de revendications de la part de nos concitoyens rencontrés cet été. C'est un sondage grandeur nature qu'ils ont réalisé. Les cartes pétitions que nous avons recensées nous disent la chose suivante concernant la priorité des Français. En un, ils ont placé la défense du pouvoir d'achat et des salaires. En deux, ils nous disent la priorité, c'est la jeunesse. Et en trois, ils veulent défendre la retraite. Voilà les sujets qui devraient faire la une de l'actualité pour cette rentrée dans notre pays. Et donc, parmi ces sujets, la priorité numéro un, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est de ce sujet-là dont j'aurais voulu vous parler aujourd'hui. Oui, cette rentrée commence avec des prix qui augmentent et qui augmentent depuis un moment pour certains. Je pense au prix de l'essence. Plus de 50 centimes en l'espace d'un an sur le litre d'essence. Mais c'est aussi, vous l'avez vu, les factures de gaz, d'électricité qui augmentent, mais aussi les mutuelles, les assurances. Et voilà maintenant que l'on nous annonce une hausse du prix du pain et des pâtes. Le pain et les pâtes qui devraient augmenter, mais ce sont des produits de première nécessité. Surtout quand on gagne 800, 900 euros par mois, ce sont les aliments du quotidien pour des étudiants, pour les familles, pour ceux qui vivent avec un SMIC ou encore pour les retraités. Voilà, moi, ce que je veux mettre au cœur de la campagne des élections présidentielles et des élections législatives. Et je vous le dis, quand nous dirigerons le pays, nous garantirons les prix à la consommation. Nous garantirons des prix pour tous, le prix du pain, le prix des pâtes, le prix des premières nécessités ne doivent pas augmenter, ils doivent baisser. Et c'est possible. Mais pour ça, il faut oser s'attaquer à ces grandes multinationales et à ceux qui font de la spéculation sur les produits agricoles notamment. La vie chère, c'est fini. Il faut prendre ce sujet en priorité. Nous voulons nous vivre dignement, avec un bon salaire et des factures en baisse. Je vous le dis, je serai le président du travail et du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, les premières factures à faire baisser, et c'est possible, ce sont celles du gaz et de l'électricité, qui augmente tous les mois, vous le voyez bien. Puis entre nous soit dit, chez nous dans le Nord, avec le climat, je ne vais pas dire qu'il fait froid, enfin il fait un peu plus froid que dans le Sud, les factures d'électricité, l'hiver, on connaît quand même, hein, c'est élevé. Et pourtant, nous produisons en France l'électricité la moins chère d'Europe, grâce à nos centrales nucléaires, et en plus, l'électricité totalement décarbonée pour sauver le climat. Mais à cause des privatisations multiples d'EDF et de GDF, sous Hollande, sous Sarkozy, sous Macron, eh bien cette électricité ne cesse d'augmenter. C'est pour cela que nous demandons la nationalisation totale d'EDF et de GDF pour reprendre la maîtrise de la production d'énergie dans notre pays et pouvoir baisser les prix des factures de gaz et d'électricité. Oui, il faut être plus exigeant. Nous ne devons plus accepter que l'on fasse les poches des familles, des travailleurs, des salariés. Et je vous le dis, avec moi à l'Élysée et avec beaucoup de députés communistes à l'Assemblée nationale, la vie chère, c'est fini. Nous baisserons les prix des factures.
nous augmenterons les salaires et nous redonnerons du pouvoir d'achat aux Français. Voilà comment on relance la consommation dans le pays. Et nous voulons mettre cette priorité au cœur des mois qui viennent, parce que c'est une nécessité pour nous tous. Mais parce que nous voulons aussi nous attaquer à ce système, à ce capitalisme défendu par le président de la République et les milieux d'affaires, les banques, ce système qui privilégie toujours les plus riches, les premiers de cordée, comme l'avait expliqué le président de la République. Ce système dont l'objectif, en somme, c'est de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Et ce système, ça fait du mal à notre pays. Ça fait du mal aux familles. Ça fait du mal à vous, à nous, à nos enfants. Il faut sortir de ce système. Je pense aujourd'hui à ces mamans qui travaillent avec un temps partiel et qui ont un salaire partiel et qui ont bien du mal à chauffer leur maison en plein hiver et à donner la chaleur à leur bébé. Je pense à ces salariés de l'automobile que je connais dans le Valenciennois qui travaillent postés la nuit, un travail difficile, physique, et qui gagnent un salaire à peine au-dessus du SMIC et qui n'ont pas pu partir en vacances cet été. Ça existe dans notre pays. Comment peut-on accepter aujourd'hui qu'avec un travail, on n'arrive pas à vivre dignement? Alors oui, nous le demandons et il faut augmenter le SMIC et le porter tout de suite à 1600 euros net. C'est la revendication que nous porterons tout au long de cette campagne. Une hausse du SMIC à 1600 euros et tout de suite. Parce que pour nous, vous le voyez bien, il est inconcevable que tant de richesses créées dans notre pays, produites par nous, par les salariés, ce sont nos richesses. Inconcevable que ces richesses ne se traduisent pas en hausse de salaire, en création d'emplois pour nos jeunes. Pour nous, il est inconcevable que ces richesses que nous produisons ne participent pas à construire l'avenir de la jeunesse, nos écoles, qu'elles ne participent pas à donner des moyens à nos hôpitaux, par exemple. Comment une société peut-elle permettre à quelques fortunes d'accumuler autant de richesses quand il y a autour de nous tant de misère, tant de besoins auxquels nous devons répondre dans l'urgence, que ce soit les urgences sociales ou que ce soit les urgences